Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Vince. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau petit vlog sur la journée d'hier qui s'est déroulée vraiment comme une très très belle journée. Parce que le matin, je suis parti voir Star Wars avec un ami que j'avais pas vu depuis longtemps. Et hier soir, nous sommes allés avec mon ami Karim Nahal voir la conférence de Christian Junot et Lilou Massé sur leur dernier bouquin, sur le dernier cahier d'exercice de Lilou, du défi des 100 jours en rapport avec la richesse et l'abondance. Je vous montre ça en image, ça a été assez spectaculaire et ça a été une très 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 belle soirée. Il y avait à peu près 800 à 900 personnes dans cette assemblée. Des personnes que j'ai reconnues, qui m'ont reconnu dans cette salle, qui m'ont dit « Salut Vince !» Oh putain. Et donc du coup, je vous fais partager ça en image et je remercie infiniment Christian et Lilou pour cette superbe conférence. Également Lilou pour le petit mot que vous allez voir à la fin de la vidéo qui a accepté encore de me parler, voilà. Donc je te fais de gros bisous Lilou et puis je vous balance les images. Bye. Et là, ce soir, je suis avec... Karim Nahal, coach en développement personnel. Nous sommes partis pour la conférence à Bordeaux. Il nous reste 1h18 de route. Donc on va voir Lilou Massé pour son nouveau livre aux côtés de Christian Junot. Ils vont parler de ce... Je sais même pas de quoi ils vont parler. Ils vont parler de ce bouquin, c'est sûr. Et puis voilà, je vais vous montrer quelques images. J'espère qu'on va arriver à pouvoir parler à Lilou. Au moins avoir une petite entrevue vite fait parce que j'aimerais bien la présenter à Karim puisque la dernière fois il ne l'a pas vu. Hein, mon Karim ? Ouais, j'aimerais bien vraiment faire sa connaissance. C'est toujours très intéressant justement de rencontrer des personnes comme ça qui voient grand, qui sont ouvertes à tout plein de choses, ouvertes à tout en général sur la vie. Donc ouais, ça serait cool de la rencontrer. Puis en plus elle est grande et lui il est grand. Mais voilà, du coup on est parti pour la conférence et puis voilà, je vous retrouve là-bas. Bye ! Bon, après des centaines de péripéties sur la route, ça y est, on y est. Hein, mon Karim ? Ça y est. On est arrivé à la salle, on est en plein milieu de la route, c'est cool. Il y a du vent. Donc là, on va voir, on va rentrer dans la salle de conférence et puis on va écouter la conf. C'est parti ! Bon, ça y est, on y est. Voilà. Donc là, on a Lilou qui va pas tarder à arriver. Ça va être extraordinaire. Regardez-moi ça. Il y a Karim qui est en train de... Et là, je retrouve mes deux petits jeunes. Coucou. Ça va ? Ouais, ça va. On a réussi à se trouver en fait, c'est pas si compliqué. Ben voilà. Bien sûr que c'est pas compliqué. Ben non, il y a... Ça commence. Non, ça va être petit bouton rouge. Mais nous ne sommes pas tout seuls. C'est notre première duo conférence, donc c'est à chaque fois une grande émotion de démarrer, c'est de faire une première. Voilà, merci. Merci à vous tous. Bon voilà, c'est terminé. Super conférence. Tout s'est bien passé, il y avait vraiment du monde, ça a été vraiment super. Alors j'ai pas pu tout filmer encore sur la vidéo, mais voilà. On va commencer donc du coup le livre, le défi des 100 jours, le 13 janvier. Là je viens de voir Lilou. Je vais vous montrer Lilou. Parce que voilà, vous m'avez demandé sur le défi des 100 jours un petit peu quelques mots et tout ça. Regardez, tout le monde a fait la signature de dédicace. Christian, salut. Voilà, tu fais coucou encore, salut. Ça va. Vite, voilà. Tu commences le 13 janvier, on voilà. Y va tous. Mais c'est ce que j'ai dit, on pousse le 13 janvier, voilà. Donc voilà, tout se passe super bien. On va rentrer maintenant sur Brive et ça va être juste unique. Bye! Bon, on a fini notre conférence. On a fait un petit peu de route, on a mangé aussi. Alors, cher Karim, qu'est-ce que tu as pensé de Lilou Massé? Ben écoute, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Oui, non, mais je sais qu'elle est. J'ai beaucoup apprécié. Bon, c'était des trucs un petit peu. C'était vraiment des choses que je connaissais déjà.
fois, ça fait toujours du bien, tu vois, de se répéter toujours les mêmes choses, de rentrer les mêmes choses, parce que c'est ça. Faut que ça rentre, tu vois. Mais même cette conférence, en fait, sur l'argent, je trouve qu'elle était, même si on connaissait déjà pas mal les bases, ça apporte de nouvelles choses. Déjà par rapport à Christian Junot, donc ancien banquier suisse, qui donne sa vision de la chose, et Lilou, en même temps, qui raconte aussi par rapport à son vécu du défi des 100 jours, de tout ce qu'elle a vécu jusqu'à aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant. Donc, je vous incite à aller voir ces conférences là, si c'est proche de votre région ou de votre ville. Et surtout de vous y mettre à ce défi des 100 jours, parce que vous avez vu tout à l'heure, Lilou me l'a dit, voilà, le 13 janvier on attaque le défi des 100 jours sur l'argent et l'abondance. Ça va être extraordinaire. Et puis voilà, donc du coup on s'est déplacé, on avait 2 heures de route, mais c'était bien. On a passé un bon moment, il y avait 800 personnes, ça fait du monde, une belle expérience. Et puis on a revu, et on a vu des petits jeunes qui viennent de nous rejoindre encore là, qui sont de Brive. C'est énorme. Bon allez, à plus. Bye. Bye. Il dort, Karim. Bye. Ciao.